Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode, un épisode un petit peu particulier qui ne sera pas structuré comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait il s'agit d'un double track day, on va dire ça comme ça, mais j'avais envie de vous tester en live les deux voitures que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu le titre et la miniature, duel de légende du Mans. Aujourd'hui, place à deux bolides qui ont marqué l'histoire de cette épreuve. On passe d'abord à la première, une voiture qu'on a découvert en mode pour R Factor 2 il y a quelques temps. Il s'agit de la Porsche 917K. Alors comment ça va se passer? Je vais vous proposer un petit tour en vue TV pour découvrir sous toutes les coutures les deux bolides. Et ensuite on partira pour le tour que j'aurai fait en live commentary pour tester et avoir des retours de la voiture en temps réel derrière le volant. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Peu avant, on va faire un petit point technique sur cette voiture, cette Porsche 917K, qui est celle de Vic Elford, la Team Martini numéro 4. Cette voiture date de 1970, évidemment, c'est la star du film Le Mans avec Steve McQueen, vous la connaissez bien. Quelques spécificités et techniques donc, 800 kg sur la balance, 620 chevaux et une vitesse de pointe hallucinante de plus de 340 km/h. Et pour tester tout cela, on est allé sur la piste du Mans sans les chicanes dans la ligne droite des Hunaudières. Je vous laisse profiter un petit peu de la bête, on se retrouve tout de suite pour un tour en caméra embarquée. Allez, on passe en vue embarquée avec cette Porsche 917K. Grâce à la magie du montage, on va faire un tour ensemble et on va toucher les freins. Et vous allez voir que c'est déjà très compliqué. Voilà, alors le premier point, première caractéristique de cette Porsche 917K, c'est bien entendu les freinages qui sont très délicats. Avec son moteur arrière, la voiture qui est difficile à placer en virage, mais c'est, vous l'avez vu, on a pris quelques poteaux. Alors c'est ça les découvertes en live aussi, c'est un peu moins propre. Alors ce que je voulais vous dire c'est que, on va essayer de pas se planter, voilà. Ce que je voulais vous dire c'est que donc cette Porsche est extrêmement puissante, mais donc suite à cela très difficile à maîtriser. Et vous avez vu quelques erreurs dans le tour précédent, notamment au droit de d'arnage où j'ai tout simplement loupé mon freinage. En fait, il faut être très dégressif et très franc avec le freinage, c'est assez spécial. Mais en tout cas, une voiture qui laisse peu de place à l'erreur, un bruit absolument somptueux. Alors au niveau de l'intérieur, vous pouvez le voir, c'est plutôt fidèle à part quelques scintillements du logo Porsche et des logos
Start et je ne sais pas, un autre bouton qui est sur le côté visiblement. J'arrive pas à lire ce qui est marqué, donc à part ces quelques défauts, graphiquement la voiture a l'air parfaite. Au niveau du son, c'est très propre aussi, je pense que le son vient de Air Factor 2 pour cette version Assetto Corsa. Et là on est au fond de l'accélérateur. On va peut-être plus rallonger un peu la vitesse, attention on soulage un peu avec le gravier. Parce que oui, dans cette version du circuit du Mans, évidemment les bas-côtés sont en gravier. On va freiner pour Mulsanne. Allez, on descend tout doucement les vitesses. Allez, encore une. Voilà. Oh, le sous-virage, voyez. Et en fait, on a tendance à très vite braquer et se retrouver en survirage. Mais c'est exactement ce que donnaient comme comportement les voitures de l'époque. Et c'est plutôt bien retranscrit. Alors, j'y ai pas encore précisé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette Porsche 917K et la 333 P4 qui va être testée juste après. Et bien, dans la description en téléchargement, ce sont des modes gratuits, des conversions. Mais ça... ça donne de belles photos. J'ai partagé sur Twitter, je vous invite à aller voir quelques photos des tournages des deux sessions ici avec cette Porsche qui glisse beaucoup à la sortie d'Indianapolis. On va essayer de freiner plutôt ici pour pas se faire avoir deux tours de suite. Oh oui, le sous-virage, vous voyez, malgré tout, je dois corriger pas mal. Hein. Dans les virages lents, on sent qu'il y a de la puissance. Il y a 800 kg et 600 chevaux, donc de quoi faire 620 chevaux, pardon, de quoi faire plaisir. Et le son d'une très très bonne qualité aussi. Le son en extérieur m'a rappelé les passages du film Le Mans, à quel point c'était bien retranscrit. Même si les caméras ne sont pas à l'avantage de la voiture, c'était plutôt réussi. Les S Porsche, très compliqué, vous l'avez vu, on est obligé de ralentir pas mal pour permettre à la voiture de tourner. En tout cas, cette première voiture est une excellente surprise. Oh, attention. Alors, on est obligé de braquer un peu plus, malheureusement. Allez, on perd du temps. On sort un peu large ouest du karting, c'est pas grave. En tout cas, vraiment très, très fun, cette Porsche. On va découvrir la Ferrari dans quelques instants. Une voiture qui est un petit peu plus sage, mais pas forcément plus simple. Allez, les deux S, on en sort et on en termine avec cette Porsche 917K et c'est compliqué. Deuxième bolide de légende des 24 heures du Mans, que voici la Ferrari 330 P4. Celle de la décoration du pilote britannique Pierce Courage. Également légende du Mans des années 60 qui s'est elle plus battue face au Ford GT plutôt qu'au Porsche. Les Porsche 917 juste avant étaient plus face au Ferrari 312. Ici on est un peu plus loin, évidemment comme on est un peu plus loin dans le temps, on a reculé encore la machine de la magie des légendes des 24 heures du Mans. Oh attention, parce que là, au tertre rouge, on a beaucoup glissé. Cette voiture est en fait beaucoup moins puissante, 440 chevaux, et on va très vite le sentir je pense dans la ligne droite, vous le verrez dans le tour embarqué. Un poids de 792 kg sur la balance, une vitesse de pointe qui est malgré tout de 320 km/h, mais on va bloquer de ce côté-là pour nous. On n'aura pas été aussi loin avec cette boîte-ci qu'avec la Porsche. En tout cas, visuellement également, une très belle version, une très belle modélisation de la Ferrari, vous le voyez. Très agréable et je vais vous laisser profiter un petit peu de la réalisation sonore de cette 330 P4 qui est particulièrement agréable. C'est autre chose que la Porsche, évidemment, mais c'est tout aussi réjouissant. Thank you.
des rapports de boîte un peu plus longs pour cette Ferrari. Vous avez pu suivre un tour avec le son en vue extérieure et c'est plutôt agréable. Allez, on freine pour la chicane de la butte Dunlop. Alors, c'est pas l'ancienne version du Mans. Alors, on a une voiture qui est censée être aussi vite, aussi puissante que la 917, du moins en termes sur un tour. Et on a quelque chose de beaucoup plus simple à piloter, mais ça reste quand même beaucoup de sous-virages. Mais on va dire que le coup de pied aux fesses donné par l'accélération est beaucoup moins présent qu'avec la Porsche, évidemment. La différence de puissance moteur est là, mais on a aussi des rapports plus longs, moins de rapports. Donc les accélérations sont plus tendres, plus souples. On sent vraiment une différence par rapport à la violence de la 917, et c'est plutôt agréable. On s'élance dans les unaudières avec la vitesse max qui devrait voilà, grimper. Et ça défile très très vite ici, et ça nous donne aussi une idée de la violence parfois avec laquelle il fallait piloter à l'époque. On était à 400 km/h hein, dans cette ligne droite. Il n'y avait pas encore de but. C'était un tout autre tarmac, évidemment, également. C'était beaucoup moins large. Pas de glissière, forcément, avant les années 70. Mais oh, attention, j'étais mettre deux roues dans l'herbe. Là, on est très vite déporté vers la gauche ou la droite. Allez, un petit soulagement ici. On va essayer de passer à fond. Oh, oui, oui, le gravier. Ça va. C'est pas le gravier, c'est plutôt la poussière. Mais on est passé sans soulager, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec la Porsche. On va être très prudent pour le freinage. Allez, on descend tout doucement. Encore un. Allez. Oh, il a fallu bloquer les roues là pour arriver à freiner. Et vous voyez qu'en sortie de virage, par contre, elle est bien placée, bien droite, bien dans l'axe. Donc, deux comportements bien différents. Alors, inutile de les affronter hein, l'une face à l'autre. La Porsche gagnera. C'est un peu dommage d'ailleurs. On attend d'ailleurs plusieurs voitures qui devraient arriver et nous créer une grille... assez intéressante, et pourquoi pas refaire un mode historique comme c'était le cas à l'époque, je crois, sur le premier Factor qui avait un mode sports car légende qui est absolument démentiel. On va freiner pour Indianapolis. Allez, ouais, on bloque un petit peu. What, ouais, la dérive. Attention, on arrive à la récupérer, on essaie de la faire un peu glisser. Elle est plutôt propre. On a un petit peu de contrôle de la stabilité, on n'a pas de contrôle de traction ni d'ABS. Vous l'avez vu, et vous voyez que pour le droit d'arnage, ça passe beaucoup mieux qu'avec la Porsche. On est beaucoup plus propre, beaucoup plus à l'intérieur. Vraiment deux comportements bien différents, mais très agréables. Donc c'était l'explication en fait de cette petite vidéo avec ces deux voitures que je voulais vous tester. Donc c'est pas un mode commun, mais les deux voitures sont représentent quelque chose de symbolique. De deux générations du Mans, les années 60 et les années 70. Il y aurait manqué peut-être une Ford GT40 à mettre face à cette Ferrari 330P, ça aurait pu être intéressant. Les S-Porsche, toujours très drôle avec une Ferrari. Oh, le sous-virage, les Armco. On va se calmer. J'ai failli aller me mettre dedans tout seul comme un grand. Mais elle est bien cette voiture, elle est très agréable. C'est un petit peu trop large ça. On va en sortir. Voilà, et on va en terminer. Bah écoutez, on va franchir la ligne d'arrivée. Ce sera le moment pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir aux yeux et surtout aux oreilles. Si vous voulez à votre tour tester ces voitures, eh bien c'est dans la description que ça se passe. Moi je vous remercie et je vous souhaite bien un bon amusement en piste les amis. Et à la prochaine, ciao.